problème. C'est mieux. Regardez tout ça. Aujourd'hui, on va jouer au foot. Donc, aujourd'hui, nous sommes au zoo. Demain, on va faire de l'art. Hier, nous sommes allés à l'école. Alors, dis la pintade, je ne sais pas lire. Billy dit à sa maman, est-ce bien, est-ce c'est bientôt la rentrée des classes. Pour 9 plus 7. Ah, ça c'est un peu compliqué. Bah, tu vas compter. Tu Mais peux ça c'est un peu facile, vu qu'on a pris les deux en deux. Ah oui. Et 9. Alors, eh ben alors vas-y, 7 plus 9. Et là je fais. Là, je fais 7. Comment on peut faire ce calcul-là? Pour qu'il soit plus facile. 8 plus 9, c'est un de moins. Ouais, tu peux faire 7 plus 10. 7 plus 10, ça fait 17, donc ça fait... Tu m'as dit, si c'est un de moins... 16. Voilà. Et Lucas, tu as combien, toi, 5 et 1 ? 5 et 1, ça fait 5, ça fait 6. Qui remporte la bataille ? Moi. Ouais. Grosse pierre rouge, tu la tourneras, tu creuseras la terre jusqu'à ce que tu rencontres un objet très dur. C'est le coffret du savoir. Tu le prendras avec précaution, tu l'ouvriras et tu trouveras ce que tu cherches. Ouvrez-vous volets. Alors, celle qui lève la lumière.
devoir abdominal. Abdominal? On va regarder ça tout de suite. Oui, c'est bien ça. Ah bon? On a fabriqué une manche à air avec Élise. Ça marche avec du vent. En gros, on prend un bâton et tu dois le faire voler. S'il est en bas, c'est qu'il n'y a pas de vent. Et s'il est en l'air comme ça, et ben, c'est qu'il y a du vent. Est-ce que vous l'avez testé sur la cour? Non, on n'a pas testé sur la cour parce qu'on n'avait pas trop le temps. Regarde mon arc-en-ciel. Waouh, il est beau. C'est très curé. Pourquoi il est con? Léa, t'en veux ou t'en as déjà eu? J'en ai déjà eu deux. Ok. Et maintenant, on amène les pieds vers l'arrière. On s'étuie les pieds par terre, vers les fesses. On amène les pieds vers les fesses. Allez, c'est de toucher les fesses. Allez, essuie tes pieds vers l'arrière. D'accord. Arthur. Quand moi je travaille, j'entends beaucoup de bruit à côté de moi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Du coup, ça me déconcentre. Alors, pour les bavardages, là, en CE1, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution? Avec les casques, vu qu'on n'entend pas beaucoup, on les met. Il y en a plein. Toute la classe les met comme ça, il n'y a plus de bruit. Les casques anti-bruit? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Roman? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Roman, Obligé. Alors, Roman, elle a le droit de ne pas voter pour décorer la classe. Donc, tu as compté combien de personnes pour? 16. Tout le monde est d'accord? Est-ce que certains ne veulent pas décorer la classe? Ok.